Salut à tous, ici Mister Hello, je suis très heureux de vous retrouver sur un tout nouveau jeu PC que vous attendez, j'imagine, beaucoup. Et donc il s'agit de Portal 2. Et on commence tout de suite par le premier chapitre, ça me semble très logique. Je suis assez enthousiaste d'y rejouer. Ça fait toujours plaisir. En plus, celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup mieux réussi. Enfin, comme la plupart des gens, il est beaucoup mieux réussi que le premier. Et là, il y a une vraie histoire et tout. Et franchement, il est délirant. Vous allez vous en rendre compte. Bonjour. Votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Ok, c'est parti. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien. Ok. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. C'est ça leurs exercices. Bien. Par contre. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Oh bah c'était rapide. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Waouh. Non mais sérieux, ça commence très bien. Vous avez été ravivé par l'art. Oh bah oui, je me sens beaucoup mieux maintenant. Si vous êtes insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Ok, c'était court. Veuillez regagner votre lit. Ok. Ouais, ça commence très très bien déjà. Votre cryostase a duré 9 ce message. Ça fait beaucoup de jours. Qui sonne? Enfin, qui frappe? Oula. Oh, il m'a fait peur. Superbe. Superbe. Ouais, ça va, je vais très bien. Non, ne répondez pas, je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. L'évacuation d'urgence. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Ouais, ça s'est vachement dégradé, en fait. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. On s'accroche comment? Ça va, de votre côté? On peut pas se baisser. Non, on peut pas. Bon. Qu'est-ce qu'il faut ? Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous bon, avez nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. De rien du tout. Ne vous inquiétez pas. T'es juste devenu débile, mais c'est pas très grave. En fait, si vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, c'est normal, oui, ça. Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui, je te comprends. Je vois. Non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Ce jeu me piège. Mais non, mais si je fais pas, je vais ressauter. Voilà. Vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Oh, c'est pas très bon, ça. Pourquoi on penche? Je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Oh, on est un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? Oh, ça va. L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Qu'est-ce que c'est que ça? Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Mais je m'accroche à quoi? Il y a le frigo qui me bloque. Je suis sûr qu'il y a des informés, moi, c'est vrai. À quoi bon me dire quoi que ce soit? Quoi? Mais à quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Tu peux te concentrer sur nous sauver. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Il y a la place? Je sais pas, bon, non, baisse, descend. Descend. Bon, il faut juste que je me concentre. Juste, oui. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah zut, je suis rentré en plein dedans. Oh, sans blague. C'est vrai que ça s'est pas vu. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Ouais. Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant.
Bien sûr, pas ça semble logique. On a juste été réveillé par un robot comme ça d'un coup, mais tout le monde est vivant. Presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Ok. Bonne nouvelle. C'est pas une station d'accueil. Un mystère en quoi non c'est résolu. Une bonne nouvelle. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchant. Un override, technique. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. On y est presque. Encore pour une rappel, fois. Vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... vous verrez bien. Accrochez-vous bien. Mais c'est pas possible. Wow. Ok. Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter. C'est déjà ça. Ouais, ben... Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? On se retrouvera plus loin. On va essayer. On sait pas ce qui est en train de se passer, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Bonne chance. Bonjour. Et parfait, les toilettes. Au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Il y a un petit bug dans ta voix. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Je suis en train de voir, c'est la même fiche que dans le Portal 1. Et il y a toujours la part de gâteau. Ok, bon, on est toujours une fille, hein. Sensiblement la même, d'ailleurs. Reprenons les tests. Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Vous venez de traverser une grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science, qui désintègre la majeure partie des équipements Aperture Science. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil, un test, on termine par un ascenseur. Rien de nouveau. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. C'est dégueulasse. Ah, premier test, il y en a 19 cette fois-ci. Enfin, de ce qu'on sait pour l'instant. Pouf. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est dur. Ça fait très bizarre, n'empêche, de pas avoir le portal gun comme ça. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Non mais sérieux, il s'est passé quoi pour que tout soit écroulé, enfin... Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité un nuage gouvernementale doué de conscience. Qui refuse ou est incapable d'entendre raison... Pourquoi c'est une tourelle? Trop de questions. Ah, deuxième test. Hey, vous avez réussi. Oh, il est où? Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Oh ok, il était derrière. Bien. Le générateur. Le voilà. Vous êtes en vie? C'est important. J'aurais dû commencer par là. Ta-da-da. Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ouais, c'est gentil. Ça marche comme ça? Ouais. Allez, on y croit. À dans une heure. Enfin, peut-être. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Ok. Oh, c'est quoi tout ça? What? Eh, hey, t'es en retard. Le prochain test est très dangereux.
Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... Musique d'ambiance ? Ça, c'est de l'ambiance ! Oh non ! Mais non ! On veut la musique, nous. Toujours que tout foire. Hein. Bien. Hop. Et tiens. J'imagine qu'il y en a un autre là, voilà. Hop. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. C'est gentil. Enfin, j'estime que j'ai fait un bon travail quand même. Non mais oh. Juste attends, toi, hein. Attention. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, c'est bon, on l'a eu. Ouf, juste à temps. Bon, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on va retrouver l'autre, là, qui nous a réveillés? Parce que, bon, on est censé le retrouver dans moins d'une heure. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Ok. Donc vous vous souvenez, hein, quand on tombe, quand on fait une chute, la vitesse est conservée, donc on va plus loin. Mais il me faut un cube. Cube qui est ici. Hop là. Donc on a droit à un deuxième saut gratuit. Oui, je me suis raté. Voilà. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Vous, bien sûr. Genre le texte pas du tout préenregistré, quoi. Faisons comme ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de toi, petit cube ? Et si on fait ça... Ça marche ! Parfait ! Il faut peut-être un peu plus de vitesse. Bravo. C'était bien ça. Votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu. Oh, c'est méchant. Une personne plus apte au test. C'est trop méchant ça. On est une personne normale qui vient de se réveiller d'une cryogénisation de 9999999, on ne sait pas quoi. Alors, qu'est-ce que ça va être ce test ? Yukaidi, Yukaida, je suis là ! Yukaidi, Yukaida. Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ! Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon... je mourrai, mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper, au cas où je ne tomberai pas raide mort
dès que je me serai détaché. Ok, vas-y, on t'attrape. On y va? 1, 2, 3. C'est haut, c'est trop haut même, non? Enfin, bon, quand on y va à 3, on a trop de temps. Mais quelle mauviette. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêt? Vas-y. Chopez-moi. Au. Au. Bah t'es pas mort, tu vois? Je suis pas mort. Pas mort. Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez scier. Ça? Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Je regarde pas. T'es sérieux? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf! Compartiment secret que j'ai. On a rien pu voir. Vous aviez le dos tourné. Et c'est parti. Ah oui, d'accord. Regardez! Je suis plus tributaire du diktat du rail. Oh, c'est formidable. Le diktat du rail. Où on veut? Où est-ce qu'on va au fait? Attendez, attendez que je me repère. Il faut que. Qu'on suive le rail. Oh, ah, on est libéré du diktat du rail, mais on est obligé de le suivre. Oh, les tourelles! Non, merci, ça va. C'est gentil. Avancez, avancez. Mais elles sont gentilles, oh. Avec leur petite voix toute mignonne. Bien, donc ça y est, on commence à s'écarter des salles de test et tout ça. Et là, ça va être un peu plus intéressant. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, non, je ne sais pas qui. Sans doute, nous tuer. Qui ça? Dis-le! D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. J'espère que vous avez des souvenirs de Portal 1. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Ça vous dit quelque chose, là? Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé, et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Descendez cet escalier. Sautez. Ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de dégâts de chute, donc on s'en fout. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rudement bien, même. De toute façon, je ne peux pas te lâcher. Le jeu ne veut pas. Ah, tu viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Pourquoi? Je vais recommencer. C'est juste le vide en dessous, c'est bon. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez rien d'autre. Comment le tu veux qu'on le trouve? Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord? Comment tu veux qu'on regarde ailleurs? On voit tout en même temps. Ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Oh, t'aimes ça, hein. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah, regardez. Ouais, il se passe quoi? C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors... On va monter, je parie. Module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave. Évidemment. Je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Mais qu'est-ce qu'il est débile. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Attention, séquence mémoire et souvenirs. Il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. C'est quoi ce mot de passe pourri? Non? Ok. C. Mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour! Tiens. Tada! Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Salut! Qu'est-ce que vous devenez? Oh, on traînait juste par là, on s'est fait réveiller de 999, on sait pas quoi. Depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Oh, m'agrippe pas comme ça, eh! Non! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pourrons, je pense, mettre nos différends de côté. Pour le bien de la science, sale monstre. Je suis pas un monstre, ok? Vous avez tenté Monsieur, de me vous tuer. Vous donné la Monsieur peine défendu. De me réveiller. J'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Oh oui, j'adore Comme ça. Comme je vous comprends,
Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Si c'était pour m'incinérer, c'est foiré, hein. Y a plus de lave ou je ne sais pas quoi. Ouah, on va où là ? On va dans les entrailles d'Aperture Science. Wow, wow, wow. Peut-être éviter de se faire écraser. Nous y voici, l'incinérateur. Ah. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. C'est que vos restes, ça va. Peut-être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Eh bien, c'est reparti. Le voilà. Ah, le voilà. Attention. En fait, voilà. C'est une vraie sadique, hein. Elle aurait pu nous tuer dès le début, mais... Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Je sais plus faire d'un coup. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Eh bien, parlons. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Attendez. Laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous ? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je c'est pas du tout ce que t'es en train de faire, bah oui, je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. C'est tout ? Oh, mais ça va passer vite fait. J'ai pas de mortalité devant moi. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Oh, chouette, on adore les tests. Qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Ça, c'est dégueulasse. Ok, chapitre 2, démarrage. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait, c'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Tadam ! Ah oui, mais moi je veux... Faut d'abord que je monte là, peut-être. Voilà, c'est mieux. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais attends, hein, mais des années d'entraînement. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Pour toute une vie... intérêt à y en avoir des tests. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait exactement comme le 1. On découvre les éléments petit à petit. Il y a eu le cube, maintenant les lasers, la cinétique. Je venais dans de l'ordre. Les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit un y en cube avoir de découragement. C'est ça ? Oh ! Mais reviens ! C'est ça, un cube de découragement ? C'est pourri. Aïe. Oh, comme c'est magique. Ah oui, mais il me faut un cube. Parfait. Hop, tu viens avec moi. Quoi ? Ah non, il disparaît. Qu'est-ce que je mets ? Je mets une tourelle dessus. Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Comment je passe ? Bien, en fait, c'était tout simple. Hein, vu que le sol, sur le sol, on peut faire des portails. Il fallait en faire un là et ensuite récupérer le cube. Enfin bon, c'est pas très grave. Ah, tu es déjà là, petit ascenseur. Ne laissez pas l'argument
quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Ouais, bien sûr. Cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ça voulait dire quoi concrètement ? Félicitations, pas voilà. Pour le test. La plupart des sujets sont en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. C'est trop gentil, sérieux. Eh bien, je vais arrêter cette vidéo ici pour l'instant, donc j'espère que l'épisode vous a plu, que vous êtes très heureux de retrouver Portal 2. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer aussi si elle vous a plu, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme toujours. Abonnez-vous à ma chaîne, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Salut à tous !